Vivez des aventures toujours plus Ford en regardant votre programme avec fordstore.re. Regardez la Ronde de l'Est 2023 avec RS Sport, une épreuve organisée par l'Alsace-Mer. Rallye belle! Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour vous parler de rallye. Rallye à La Réunion, évidemment, puisqu'on en est à la quatrième épreuve de la saison. Après le Tour Auto d'il y a un peu plus d'un mois et demi, bien, place maintenant à la Ronde de l'Est. Comme son nom l'indique, ça va se dérouler, vous l'avez bien compris, dans l'Est du département, l'Est de notre île. C'est un rallye organisé par l'Alsace-Mer. Et pour vous parler de cette épreuve, donc samedi et dimanche, avec nos invités que je vais tout de suite vous présenter, en commençant par le président, justement, de l'Alsace-Mer, Daniel Payet. Daniel, bonsoir. Bonsoir, Alain. Daniel, à côté de Daniel, Olivier Bardeur, donc en concurrent sur en Rallye 2 sur une R5. Salut, Olivier. Bonsoir. Bonsoir à tous. En face d'Olivier, Hugo Chauvineau, jeune pilote et copilote. Il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Bonsoir. Donc, notre invité. Et puis, Stéban Marchand, un autre jeune également. Tout à fait. Donc, pour compléter ce dispositif qui nous permettra donc de passer en long et en large tout ce que vous ne savez peut-être pas encore et tout ce que vous devrez savoir pour assister, voire participer à ce rallye et de ce week-end. Daniel, déjà. On est quoi, à J-3 ou 4 au moment où on enregistre cette émission, du départ samedi du côté de Brapanon. Est-ce que tout va bien? J'ai lu, j'ai appris, et tu vas nous le confirmer, des inscriptions, c'est bon, ils sont tous là, ou presque? Ils sont, enfin, tous là, non, on a déjà eu à peu près 3 désistements, parce qu'on était à 100, c'est ce qu'on avait limité. Rallye Modéane et VMRS. Et VMRS. C'est-à-dire qu'on avait mis normalement en Modéane 80 places et 20 places en VMRS. Donc il se trouve qu'on a eu que 16 engagés en VMRS. Donc ça nous a permis de rebasculer sur de 4 autres équipages sur le Modéane. Et parmi ces équipages qui sont engagés là, donc on en avait 84. Et donc sur les 84, il y en a déjà 2 ou 3 qui nous ont envoyé leur désistement pour des raisons, pour une préparation mécanique. C'est ça, c'est souvent lié à ça, c'est des pièces qui ne sont pas arrivées. Enfin, je ne sais pas trop, enfin, ils ne nous ont pas donné vraiment les motifs, donc, mais ils ont stipulé leur forfait pour l'épreuve. Pour autant, donc, nous sommes au total à 97, ce qui est très bien. 97 voitures. Ce qui est très bien, c'est beau. Oui. D'accord. Merci, monsieur les pilotes. Et les spéciales, donc on retrouve des spéciales qu'on connaît déjà. Hein. Bah écoute, nous, on n'a pas voulu vraiment évoluer, parce que déjà, on n'a pas vraiment de place pour évoluer, changer de programme dans la région S, à part de renouveler des spéciales très connues et archi connues par certains, sauf peut-être pour les plus jeunes pilotes, mais les anciens connaissent très 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 bien le parcours. On avait mis en place la spéciale de Vincent Daud l'année dernière et sur demande de la commune de Brapanon, on nous a demandé de reconduire et c'est une spéciale qui, peut-être avec un revêtement style béton, effectivement, peut-être que c'est pas très apprécié par tout le monde, mais moi je trouve que c'est l'une des spéciales la plus belle. C'est une nouvelle spéciale en fait. Ça n'a jamais de fin. C'était la première fois, c'était l'année dernière. Couru 3 fois, je crois. D'accord. Cette spéciale-là. Mais la première fois, c'était dans le sens inverse qu'on a fait l'année dernière et qu'on fait, on recommence cette année. Parce que moi, j'ai préféré la faire dans ce sens-là parce que je la trouve moins dangereuse. Mmh. Et la descente moins vertigineuse, c'est-à-dire que je préfère la faire en montée qu'en descente. Enfin, ça, c'est un ressenti personnel. Et comme on parle beaucoup de sécurité, donc j'ai pas voulu jouer un petit peu avec le feu, quoi, en quelque sorte. Même si c'est mon métier. Mais voilà, donc j'ai préféré faire cette configuration-là. On devrait avoir une autre configuration sur la même spéciale, mais qu'une boucle qui actuellement n'est pas carrossable. La mairie de Brapanon nous avait dit l'année dernière qu'elle aurait fait le maximum pour pouvoir nous la livrer. Mais ça n'a pas été fait par rapport à des aléas, hein, je veux dire, peut-être... Toujours sur Vincent Daud, là, on est... Oui, toujours sur Vincent Daud. C'est-à-dire que ça rallongerait la spéciale, du coup? Ça rallongerait la spéciale, on passerait à 12 km. Ça aurait pu rallonger, ça peut l'être pour l'année prochaine. On verra. On verra. On verra.
C'est plus, si tu veux, on fait un détour en montant, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer tout droit, on va tourner vers la cascade de chiens et puis refaire une boucle qui tombe plus haut que la boucle qui tombe plus haute que celle qu'on emprunte actuellement. Tu parles de Vincent, juste une petite précision de mémoire pour avoir vu le plan. Il n'y a pas d'accès autrement que départ et arrivée. Exactement. Ou à pied. Oui. Des sentiers, il y en a. Des sentiers qui partent de Caroline. Oui, c'est clair. Tu m'en appelles les pompiers. Il faut connaître, il faut surtout être très sportif pour voir les preuves. Nous aventurons voilà. Pas. Ouais, nous ne donnons pas ce genre de conseils, en tout cas. Voilà, là, c'est la seule spéciale où, en quelque sorte, si tu veux, les accès se font que par le départ et que par l'arrivée. Donc, c'est une consigne qu'on donnera aux spectateurs qui veulent y être. Bah, c'est que vous allez être bloqué de toute la longueur. Ouais, si vous entrez... Vous ne pourrez plus sortir. En tout cas, vous entrez à pied, vous pouvez sortir. À pied, oui, oui. Mais bon, en voiture, Il n'empêche qu'il faut être quand même bon marcheur. Hein, parce que Et ce sera... Ça monte bien. J'imagine. Ça, ce sera donc dimanche. On va en parler plus en détail de tout à l'heure, donc de ces spéciales. Dimanche, à parcourir en trois fois. Olivier, donc sur sa 208 T16, Rallye 2 R5... La même. D'abord, pourquoi ce choix? Il y a maintenant un an ou deux ans que tu roules sur cette voiture? Ça fait la deuxième année, oui. Tout à fait. Toujours satisfait? Il y a toujours. Je crois savoir, je ne suis pas un spécialiste. Oui. Tu vas nous en dire plus. Elle n'a plus d'évolution potentielle aujourd'hui? Non, il n'y a plus aucune évolution. C'est surtout un bon suivi de la voiture. Heureusement qu'il y a le garage Hydro-Sud qui me donne un coup de main. C'est qui Hydro-Sud? C'est un garage qui se trouve à Saint-Joseph. D'accord. C'est un représentant de Bosch Car Service. Donc son responsable, c'est mon copilote Fabrice Naigon. Et voilà, c'est toute cette équipe-là qui sont en train de travailler sur la voiture d'ailleurs ce soir même. Ils sont encore dessus. Et voilà, c'est surtout une histoire de fiabilité, de bien fiabiliser la voiture. Et puis voilà, et puis après il faut travailler pour essayer d'aller vite. C'est pas un peu frustrant justement de voir qu'on est limité par la technique, par l'évolution, par la technologie, par tout ce que l'on veut, par rapport à d'autres voitures pas plus modernes, mais beaucoup plus performantes, hein, on les connaît, celle de Thierry, celle de Damien. J'ai dit ouais, on est toujours un petit peu en retard et impossible d'aller plus loin. Prendre plus de risques, ce serait une bonne chose, pas forcément. C'est un petit peu frustrant, mais c'est une voiture quand même qui moi personnellement me procure quand même beaucoup de plaisir. Mmh. Et moi je pense qu'on peut aller encore vite avec, mais c'est vrai que c'est limité, mais avec du boulot on peut quand même être pas trop l'un des meilleurs. Si le climat se dégrade un peu, on peut aussi jouer une très très belle place au niveau podium ou peut-être voire mieux. Voilà, moi je pense que c'est une voiture qui a encore son mot à dire, et après on verra par la suite si on peut prendre une meilleure chose, ouais. En tout cas la saison tu la termineras avec cette voiture. Avec cette voiture, tout à fait. Et avec des ambitions pour ce rallye du coup? Les ambitions, tu connais le plateau, tu connais tes adversaires, tu connais le parcours, tout pour à autant fait, y a encore quelque chose à faire, à gratter, à espérer. Les ambitions, nous on n'a pas vraiment d'ambition, mais c'est sûr que nous on vient pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, et on verra à la fin ce que ça va donner, mais en tous les cas moi je pense que nous aussi on peut jouer quelque chose de bien. Et rien n'est impossible. Absolument. C'est ce que tu as toujours dit, et tu le dis, et j'en suis très très content, parce que ça veut dire qu'on y va, on verra, on donne le maximum, et puis tant pis si les autres, eux, ne sont pas au rendez-vous. Hugo Chauvineau, alors papa Richard va bien? Papa va très bien, écoute, il est en retraite, en retraite anticipée. Donc, j'imagine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Hugo, c'est le fils de Richard Chauvineau. Richard Chauvineau, c'est un vieux de la vieille qui courait également. Et puis, il est sorti un petit peu du circuit pendant quelques années avant de revenir, l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Écoute, il est revenu en 2019, il a fait une pige avec la voiture. Et puis après, il y a eu le Covid, et après le Covid, il est vraiment revenu. Voilà, et il est revenu. Du coup, toi, tu es copilote. Et pilote avec une formule qui est un peu inédite, à savoir que chacun son tour prend un coup le volant dans un rallye. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. En fait, c'est une voiture qu'on a achetée à deux. Ben voilà quoi. L'idée c'était que je puisse. À la base, je voulais acheter une voiture pour moi, mais vu le budget et que ça demande, ben, on a décidé du coup de mettre les fonds communs, acheter un véhicule à deux, et puis tenter l'expérience père-fils, pilote, copilote, pour innover un peu quoi. Et alors? Eh bien écoute, c'est une très très belle expérience, en tout cas c'est très enrichissant. Voilà, ça nous permet vraiment de pallier un peu plus rapidement nos lacunes, parce qu'on est tous les deux conscients du potentiel de la voiture, vu qu'on la pilote, la connaît tous les deux. Et du coup on peut vraiment
se retenir en fait parfois ou au contraire dépasser un peu nos limites parce qu'on voit qu'on n'est pas au potentiel de la voiture. Voilà, on peut se dire ça. Après, d'un autre côté, il y a quand même aussi un mais. C'est quoi? C'est que la mise en jambe est beaucoup plus longue pour nous. Parce que lorsque je vais faire ma première spéciale et qu'on va attaquer la deuxième, donc je vais passer le volant par exemple, pendant que les autres, nos concurrents, sont déjà, voilà, ils sont dans le tempo, concentré. Là c'est à papa de prendre son rythme. Mmh. Et du coup, là, voilà, en fait, on a des avantages, on a aussi des inconvénients. Bien sûr. Mais l'idée, c'est surtout de prendre du plaisir avec papa. Peu importe les chronos, voilà. Finalement, bah, c'est ce petit retard, cette petite mise en route qui est un peu plus longue, voilà, c'est pas grave, c'est pas ce que vous recherchez. À la base, la performance exclusive. Ouais, c'était pas ce qu'on recherche forcément. Après, je vois que les chronos, en fait, ils suivent, on se fait plaisir et les chronos suivent. Donc au final, c'est que du bonheur. Quoi. Ah, j'imagine. Stéban Marchand, les oreilles créoles, non? Oui, les oreilles un peu créoles. Ou quelque chose un peu créole, non? Oui, un petit peu. Bah, il essaye en tout cas. Il essaye. Combien de temps on arrive à La Réunion? Je suis arrivé en 2009 à La Réunion. Par hasard, non? Non, pas par hasard. Mon père a été muté et puis du coup, j'ai suivi, comme les font tous les enfants. Et puis du coup, quand on est arrivé, mon père voulait racheter une voiture de course. Donc Il était dans le milieu, ton papa? Oui, tout à fait. Il a fait le Dakar en 2007. D'accord. Le Shamrock en 2005, et puis il a fait presque 10 ans sur une 106 N1, 106 à 5K, Evo 6, Evo 5, enfin oui, il a toujours été dedans, donc j'ai été bercé dans le rallye, et puis pour moi, le jour de mes 18 ans, il fallait que je m'achète une voiture, donc j'ai pas pu malheureusement, j'ai dû attendre un petit peu, en 2019 j'ai pu rouler en copilote pendant un an, il y a eu le Covid, et puis je me suis dit, vas-y, il faut sauter le pas, et j'ai acheté une voiture, j'ai acheté la 206 ex-Bertrand Mézineau. Oui. Où j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 2 ans avec. Et puis, on est jeune, il faut évoluer, il faut essayer de voir un petit peu de nouvelles choses. Donc, on a acheté la Clio Rally 4 cette année. Alors, satisfait, j'imagine. Rally 4, c'est un groupe qui évolue, qui est performant, où on a de la bonne bagarre, non? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de bagarres. Il y a un beau plateau. La voiture est très performante, forcément. C'est une machine de guerre, hein, il faut le dire. C'est, la mienne, en tout cas, c'est une ex-officielle. Donc, on a une voiture qui est très évoluée, avec beaucoup de chevaux, beaucoup de couples. C'est pas forcément évident de comprendre le principe de fonctionnement d'un moteur turbo, surtout quand on est jeune pilote. Et donc il y a toute cette mise en jambe. J'ai été un peu malchanceux en début de saison où j'ai fait une sortie de route dans la première spéciale du premier rallye qui a coûté beaucoup de points et de l'argent forcément pour réparer la voiture. On n'a pas pu rouler au deuxième rallye où par contre j'ai pu faire zéro en partageant le siège avec mon père. C'était génial, c'était une belle expérience. Et du coup au Toronto, pareil, un petit peu malchanceux. On a fait la première spéciale, j'étais pas trop à l'aise. Et dans la deuxième, on a cassé le cadran. Donc j'espère, en tout cas pour la ronde de l'Est, qu'on va pouvoir se mêler à la bagarre et prendre beaucoup de plaisir comme le prennent tous les autres pilotes. Tu as payé assez cher, là, je pense que les choses vont sûrement changer. Exactement. Daniel, Didier Auriol, il est parmi nous, parmi vous, bientôt, dites-nous tout. Bah écoute, c'est encore une nouvelle opportunité qu'on a pu renouveler cette année. C'était par l'intermédiaire de notre ami Galoupi, que tout le monde connaît de Waterland. On sait très bien que c'est l'ancien mécano de Didier Auriol. Donc il a des très 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 bons contacts avec Didier. Et bon, l'opportunité que c'était en quelque sorte, donc il est relativement proche de nous, puisqu'il vit beaucoup à Mada. Et là, ils étaient en train... Didier Auriol vit à Madagascar lui-même. Enfin, il est plus souvent à Mada que... D'accord. Voilà. D'accord. Qu'en métropole. Donc, mais là, ils étaient ensemble, ils étaient en train de remettre les anciennes voitures de Didier Auriol en route, entre autres la Lancia. Et Andrea, on avait eu au téléphone, parce qu'on l'avait appelé pour faire la zéro du VMRS, avec sa Fiat Abarth 131, là. Et il me disait que, bah, écoute, moi, j'ai pas trop envie de rouler. Je te propose de ramener Didier et que, bah, voilà, c'est Didier qui roulera. J'ai dit, bah, écoute, nous, c'est volontiers. On renouvelle l'opération de l'année dernière. C'est une opération qui a été, en quelque sorte, très appréciée par tout le monde. On avait fait des petites plaques souvenirs. Ben, ces plaques-là ont voyagé quand même dans le monde. Hein. Il y en a une qui est allée à Monaco et puis l'autre, je ne sais plus où on l'a expédié, mais ça faisait partie des fan clubs de Didier. Et avec Didier, on avait émis le souhait de lui trouver une voiture pour qu'il puisse rouler ici sur la Ronde de l'Est ou éventuellement sur un autre. En ouvreur.
Non, pas nécessairement. Ah, rouler. En compétition. D'accord. Oui. Il nous avait demandé là, qu'il essayait de trouver quelque chose de pour pouvoir participer réellement là, à la compétition. Parce qu'il avait trouvé très sympathique le parcours. Bon, Didier Auriol, on ne le présente plus. Hein. Mm-hmm. On sait qui c'est. Ben voilà, donc c'est à chaque fois, je vais dire, je ne sais pas qui parmi nous, enfin dans notre comité directeur, a plus de chances les uns que les autres. Mais c'est une équipe qui travaille avec beaucoup d'ambition et de maxi plaisir en quelque sorte. Hein. Donc nous, on se prend pas la tête. Hein. On essaye de mettre en place un système avec un rallye pour faire plaisir à tout le monde. Je sais qu'on n'arrive toujours pas en quelque sorte à mettre tout en place pour que tout le monde soit satisfait. Mais on n'y arrivera jamais de toute façon. On fait le maximum. Bon, ça, c'est les aléas de la course qui le veut, en quelque sorte. Donc, on a toujours, si tu veux, une partie de personnes qui sont là pour vraiment dire que ouais, mais ce que vous faites, c'est pas bon. Ouais, enfin, bref. Donc, on a dit clairement, toute notre équipe est derrière moi, en quelque sorte, pour répéter la même chose. On le fait. Les critiques, on les encaisse. On essaie d'améliorer. Si ça marche pas, ben moi j'ai toujours dit à mon équipe en quelque sorte, hein, que, bon, ben, tant qu'on tire du plaisir dedans, on y restera. Si on commence à avoir des contraintes, il faut s'arrêter. Mais pour l'instant ça marche. On a des hauts et des bas, mais je veux dire en quelque sorte, on a pu intégrer des jeunes dans notre équipe, en la personne de Joyvin Taillé, qui est un soutien inconsidérable. Hein. Donc, je ne vais pas te présenter Jean-François Waro, parce que tu sais très bien qui c'est. C'est l'un des personnages en quelque sorte incontournable de notre association. Et après, le reste, c'est tous les gens qui se greffent derrière. Donc, on a toujours une très bonne ambiance à chaque fois qu'on met en place. Les pilotes ont dû le voir sur les contrôles de Rocco. C'est pareil en rallye, on se prend pas la tête. Donc quand un pilote a un souci, nous on préfère qu'en quelque sorte il vienne nous parler, trouver une solution. Voilà, et on trouve une solution au lieu d'aller mettre sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Oui, malheureusement c'est pas toujours une bonne chose. Mais on essaye d'être comme ça, sans se dire qu'on est les meilleurs. Mais bon, vous gardez le cap, votre cap. Point. Oui. Voilà, toi tu as pu voir notre équipe au complète, etc. Donc on se retrouve tous les jours, on s'échange des bonjours tous les matins, enfin bref, donc c'est vraiment un esprit de famille qu'on a. D'accord. Voilà. Une question subsidiaire, j'avais cru entendre, bon, on connaît pour ceux qui sont un petit peu dans le milieu depuis des années, la difficulté entre les différentes associations organisatrices à se donner la main, bon, peu importe l'histoire ou l'historique. Est-ce qu'on peut imaginer que là, sur ce rallye, vous avez du soutien des autres ou pas? Oui, on a du soutien de tout le monde. Hein, on m'a dit que les choses s'arrangent. Bah, d'une façon générale, j'entends. Hein. Oui. Donc, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce pas le but. Je vais dire, franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a des discussions comme dans tout milieu associatif. Hein. Entre hommes et femmes. Et bon, moi je n'ai pas d'animosité envers qui que ce soit, quel que soit l'hasard. J'ai toujours prôné le soutien et le travail de main dans la main depuis que je fais du sport auto. Et bon, ben, pour ce week-end, on a une équipe complète de chronométrage sur la spéciale des radiers pour le samedi et la spéciale de Carango le dimanche avec une équipe de Lazare. On a des officiels au collège, ce sont des commissaires sportifs de Lazare. Bon, après, c'est vrai que nous, dans notre association, c'est l'une des associations qui a le plus de directeurs de course, le plus de commissaires sportifs. Donc on a chez nous bon, ben, des personnes qui peuvent occuper ces postes-là. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas appel, c'est pas par animosité à l'ASA Promo ou l'ASA Sud. L'ASA Sud, c'est un petit différent qu'on a, enfin un petit différent, c'est pas un différent. Et puis c'est pas la même structure, bon... C'est le truc, c'est que si tu veux, j'avais demandé à quelqu'un de notre association de contacter Patrick, et elle a complètement oublié de le faire. Patrick et, Agathe, hein, le président de l'ASA Sud. Bon, si tu veux, bah, ça s'est passé comme ça. Mais il n'y a aucune animosité. Hein, j'espère bien. Voilà. Moi, je suis preneur de tout,
tout coup de main de droite à gauche, de sur les côtés, etc. Et tout. Donc maintenant, soit les gens m'apprécient ou ils ne m'apprécient pas, c'est eux, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Tu n'es pas parfait, hein. Voilà. Tu es parfait, toi, Olivier ? Personne n'est parfait. C'est pareil, moi j'ai fait exactement la même chose avec les équipages. Hein. Quand tout le monde me pose la question, mais je vais te donner un exemple. C'est sur la facilité de paiement pour un engagement. Oui. On va dire ça. Bon, ce que j'ai dit, à partir du moment où on respecte la date limite, c'est-à-dire que nous, on a des comptes au niveau de la fédération, il faut que quand on met une liste d'engagés en place, il faut que l'engagement soit payé en face. C'est clair, c'est une règle fédérale. Il râle pas derrière. Voilà, c'est pas ça. Mais après, c'est surtout, si tu veux, c'est-à-dire que il y a un des copilotes qui m'a dit oui, mais il y a d'autres associations qui le font. J'ai dit, ça n'engage que. Oui, chacun fait à sa façon. Moi, personnellement, je ne peux pas faire un rallye là pour le 16 et le 17 septembre et toucher l'engagement que le 10 octobre. C'est pas possible. Bah, évidemment. On a mis en place un système de paiement avec un logiciel qu'on appelle AssoConnect. Mm-hmm. Avec AssoConnect, il y avait la possibilité de payer en plusieurs fois par compte bancaire. Et avec une échéance qui se terminait dans la dernière semaine du rallye. On commence à payer en avance, on finit au moment où ça commence. Voilà. Pas l'inverse. Voilà. Après, je vais dire, je sais que pour tout le monde, c'est pas facile, mais c'est pas facile pour moi. Je l'ai dit tout à l'heure au pilote, là. D'ailleurs, je le répète, c'est un rallye où on fait avec zéro partenaire. On a des partenaires, je parle financier. Hein. Oui, je bien sûr. Je ne parle pas des coups de main à droite à gauche. On remercie ADA pour ce qu'il fait parce qu'il met à notre disposition des véhicules de location. Donc, il nous permet de transporter du matériel sur les spéciales, les véhicules pour les directeurs d'épreuve, le véhicule pour Didier Royol. Les ouvreuses c'est un accord qu'on a avec Bruno, mais n'empêche que ça représente quand même une certaine somme, c'est-à-dire qu'une société de location qui met une partie de son parc à notre disposition, c'est quand même de l'engagement pour lui d'une manière financière et un risque en quelque sorte de voir bousiller sa voiture entre guillemets, je ne le souhaite pas, mais bon. Moi, je peux que, en quelque sorte encourager ce genre de partenariat. Je ne cherche pas personnellement à avoir 10, 15, 20 000 euros de sponsors pour te dire que les choses comme elles sont. Hein. De toute façon, on a eu des échanges téléphoniques, donc on s'est dit les choses comme elles sont. S'il y a, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, on n'a pas, on fait avec. Après, je peux vous dire à l'ensemble des pilotes, ce que vous allez avoir comme plateau aujourd'hui sur le rallye, c'est vous qui le financez. Les spéciales que vous allez avoir, c'est vous qui le financez. C'est le prix de l'engagement et ça sert à ça. Le budget se repose entièrement, exclusivement sur les frais d'engagement. C'est important de le dire, hein, ce genre de choses, évidemment, pour ceux qui ne sauraient pas ou qui imaginent que tout tombe du ciel et que on organise, on fait pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. Non, c'est jamais très simple. Ouais. Olivier, qu'est-ce que tu faisais en 2013 dans le milieu du rallye? Tu t'en souviens ou pas? C'était l'année où j'avais racheté la voiture de Philippe Maître. Oui, la Clio. La Clio Super 1600. Oui, Philippe. Pour qui on a une pensée, évidemment. Une grosse pensée pour lui, bien sûr. Et Mimi, sa femme et sa famille, oui. Donc c'est l'année aussi qu'on avait terminé podium. Mmh. Podium du championnat de la Réunion, il me semble. C'était donc une bonne année. C'était une très bonne année pour nous. Hugo. C'était une découverte, mais une très bonne année quand même. 2013, t'es en couche-culotte encore, pas encore. Oh. T'es bien la vie, t'es fini largué. Ah oui, c'est deux ans que je conduisais pas, voilà. Tu te rappelles, tu étais encore un petit peu... 2013, papa, courait encore, 2014, je crois que j'étais au lycée, en fait. Hein. Je crois que Loin du monde du rallye, en tout cas. Pas très... Loin aussi, spectateur. Voilà. Mais après, j'étais dans la moto, par contre. C'est ma première passion. D'accord. Forcément, on commence tous par la moto, c'est plus accessible, on n'a pas besoin de permis non plus pour faire de la moto. Et j'étais dans l'enduro et le trial aussi. D'accord. En grande partie, donc compétition, loisirs, enfin les deux. Esteban, 2013, déjà à La Réunion, tu es arrivé, tu m'as dit tout à l'heure, en 2009. Mais encore jeune, j'imagine, pas encore investi dans le milieu automobile du tout. Alors, si, un petit peu, parce qu'on a cité tout à l'heure Andrea Galuppi.
Ouais. Donc Andrea, en 2013, a proposé à mon père de rouler à ses côtés à Madagascar. Donc ils ont fait avec mon père le rallye du Boeny, donc à Majunga en 2013. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans la voiture avec Andrea et prendre beaucoup de plaisir. C'est aussi ça qui m'a mis le pied à l'étrier et de me dire, Voilà. vas-y, il faut que moi aussi j'en fasse un jour. Très bien. Donc si, en 2013, j'étais déjà dedans. Vous devez vous dire pourquoi je vous parle de 2013, tout simplement parce qu'après ces échanges sur ce plateau, on aura droit, comme à chaque fois, vous le connaissez peut-être, droit à une rétrospective. Et ce qu'on va vous proposer, ce sera le rallye de l'Est de la saison 2013, précisément. Ça s'était passé dans l'Est. Ce sera l'occasion d'ailleurs de rendre un hommage, notamment à quelques pilotes qui ont un peu vieilli depuis. Ils étaient dans le groupe R3, notamment les Lao Long et autres. Gianni Barry aussi était dans R3. Le jeune, le tout jeune Damien Dorceuil faisait ses armes sur une Suzuki Car. Ben voilà. Tout cela, on va vous en parler. Puis on va parler également de Bébé. Bébé, vous le connaissez peut-être, qui est en train de récupérer là d'un accident, brûlure. On parle beaucoup de lui parce qu'il était pilote également, bon coup de volant là sur sa Mitsu, me semble-t-il. Je crois que cette année, et sur ce rallye tout particulièrement, il avait fait donc de belles prestations. Donc, c'est l'occasion de parler un coup de notre camarade là. Donc, et pour vous en donner un petit avant-goût, voici justement un tout petit extrait de ce que vous pourrez voir tout à l'heure en intégralité, le Rallye de l'Est 2013. Petit extrait en enchaîne avant de vous balancer l'intégralité. À tout de suite. Et c'est reparti. La ronde de l'Est, première des 6 épreuves du championnat 2013. Bénie des cieux car les nuages ont été généreux tout au long du week-end. Pluies intermittentes, diluviennes même samedi soir et des choix stratégiques permanents pour les pneus. La science de la course a été au rendez-vous mais aussi la puissance. Au final, c'est Stéphane Samkaufrève qui l'emporte logiquement sur sa 206 WRC. On parlera de tout cela, mais on parlera aussi de la performance de Pascal Posé, troisième scratch sur sa Mitsubishi du groupe N, ou encore de la voiture de Mamsoura Joël, ici avant le départ, et un peu plus tard, après avoir servi de réceptacle au bolide de Séverin, alors que lui-même venait de commettre la même erreur sur la bosse de Sainte-Marguerite. Mais avant de développer sous tous les angles cette ronde de l'Est, devenue celle de Radio Est, pour avoir sauvé l'épreuve d'une annulation certaine la semaine dernière, retour à samedi 13h aux abords du Parc Fermé. Un parc fermé installé dans l'impeccable et coquet parc du circuit Félix Guichard. Ambiance d'école, ambiance de retrouvailles, 4 mois après, ils avaient des choses à raconter. On fait la tournée des popotes. A commencer par le champion titre qui a presque tout refait à neuf, sauf la voiture, sa Subaru. Ça c'est bon ça. Non, il y avait un petit gravillon dedans. Il aurait été gênant, là. Bah il pique le pied. Un champion pas besoin. Hein? Déjà je vais me faire piquer par les autres, alors si je me fais piquer les pieds. La peur là? Non, pas du tout, non, bah c'est. Je viens de mettre ensemble tout, hein. Ouais. Déjà tu viens de mettre ensemble. Oui, bah de toute façon on est là pour s'amuser et puis. Et puis voilà, quoi. La saison recommence avec bon augure. Il y a un trou de Mitsubishi. Ah, c'est sûr que là, je suis le seul avec la soupe et en avoir 6 derrière moi, c'est. Ça va être dur. Mais bon. Chaussures neuves, combinaison neuve. Ça a été mon cadeau d'anniversaire par mes amis. Et toi, tu Donc j'en profite. Ben, j'ai pris un an de plus, hein. Un ça y est. Cheveux, non, un tout petit peu, juste pour changer un peu. D'autres en profitent pour faire une petite révision en toute amitié. Non, on recherchait la bonne heure. Hein. C'est une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas. Non. On mettait tout ça pile poil, bien réglé pour que hein, la cadence soit bonne. Tu as de la concurrence? Si, ben, toujours l'éternel concurrent A7. Et puis, ben. Et là, pour hein, faire une course, l'année commence, hein? Allez! Le rallye de l'Est, année 2013, c'était il y a 10 ans, hein, donc vous avez reconnu quelques têtes sûrement. Vous en verrez l'intégralité tout à l'heure, à la fin de notre petite discussion sur ce plateau. Olivier, toi, tu as commencé en quelle année? Je me rappelle d'une AX. 1997. Et toi aussi, tu t'es venu au rallye comme ça, hein, ou alors tu as suivi la filière familiale comme d'autres? En fait, j'avais couru en 96 un Gymkhana,
Oui. Un Brapanon sur la terre. Et c'était à l'époque Tonton Macoute qui m'avait prêté ses jantes. Il est toujours là, Tonton Macoute. Il est toujours là, Tonton Macoute. Tu es dans le milieu. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou et je le remercie grandement, puisque c'était lui qui m'avait mis le pied à l'étrier, on va dire. Il m'avait prêté des jantes pour pouvoir faire le gymkhana avec mon Nike Sport que j'avais acheté avec un ami à l'époque. Et on avait terminé devant Monsieur Nicole Samkaufrev. Sur la... Le papa de Stéphane. Sur les 5 turbo 2 VIP. Ouais, gros les 5 turbo là. Ouais. Donc c'était sympa quoi. Et puis après, ça a enchaîné. L'année d'après, on a monté la voiture. Mmh. Et c'est là qu'on avait commencé le challenge Citroën Fougue Total. Mmh. Oui. Et après, donc, tu as évolué jusqu'à arriver sur cette R5. Après quelques années, après, on a pris l'ex Groupa, l'ex voiture d'Olivier Bache et de Michel Chancuve. Oui. On a fait quelques années avec. J'avais arrêté quelques années pour le fait que j'avais ouvert une société, une entreprise. Donc j'avais arrêté 5 ou 6 ans le rallye. Et après, j'ai décidé de revenir et j'avais fait l'acquisition de la voiture de l'ex-champion de la Réunion de Philippe Maître. Oui. La Clio Super 16 ans. Bon, on parlait de difficultés financières, en tout cas des obligations financières pour les organisateurs. C'est aussi valable aussi pour les pilotes. Vous êtes mieux placés que nous, en tout cas que moi, pour en parler. Toi, tu as eu la chance d'évoluer, parce que tu es dans le milieu mécanique également. Est-ce que ça aide? Est-ce que tu as des partenaires fidèles? Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'aller les arracher avec les crocs? Aide mécanicien dans le rallye, c'est très important. Faire sa voiture soi-même. C'est presque indispensable, je dirais. Sinon, c'est presque indispensable. Ouais. Ça réduit les coûts de moitié, voire même de trois fois moins cher, on va dire. Tu fais tout toi-même, tu n'as pas payé. Moi, je fais tout moi-même. Moi aussi, c'est pareil, hein. Si vous voulez savoir. Non, je plaisante pas en plus. Hein. Je fais tout moi-même, heureusement, parce que je n'ai pas d'argent pour payer les autres. Mais je fais moi-même. Là, actuellement, moi, je fais tout ce qui dit mes boîtes de vitesse, c'est moi qui fais. Les ponts, c'est moi qui fais. D'ailleurs, là, je suis un petit peu en retard. Le pont est encore à la maison et les gars sont en train de bosser sur la voiture. Mais le pont est encore à mon garage à bois d'olive. Donc, le pont et la boîte, c'est moi qui fais. Et le moteur aussi, en général, c'est moi. Mais sauf que la 208, le moteur, quand c'est rentré ici, on avait tout refait à neuf déjà. Donc, il n'y a pas lieu de refaire dans l'immédiat. Mais quand ça va arriver le moment, je vais rentrer dedans. Quoi. Si elle est encore là l'année prochaine, bien sûr. Ouais, ça veut dire qu'il y a peut-être un projet. Mais je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit parce que je ne pense pas que tu dois ça. Peut-être, en tout cas, tu sais que bon, si tu veux passer un cap, il y a peut-être nécessité de bâtir un autre projet. Tout le monde me dit que cette voiture est dépassée, il faut la changer, etc., etc. Il y avait une opportunité l'année dernière, on allait le faire. Ça n'a pas pu se faire parce que la 208... n'a pas trouvé preneur, malheureusement, c'était prévu, mais ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, on est toujours sur des projets. Si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas... Elle est là, tu rouleras avec. On ne va pas pleurer non plus. Hein. On roule quand même sur une bonne voiture. Une voiture qui est plaisante à conduire, qui a du bruit, qui fait encore des chronos de temps en temps, qui n'est pas trop l'un des meilleurs de temps en temps, donc qui ne coûte pas très cher, même si ça coûte... C'est quand même coûteuse, hein. C'est une voiture quand même coûteuse, j'imagine. Ça coûte peut-être moins cher que les S5 modernes, mais c'est quand même coûteuse comme voiture. Mais on s'en sort quand même pas trop mal. On fait tout nous-mêmes. Et... Ça, le fait de faire tout soi-même, j'imagine que c'est très important. Et Hugo ne va sûrement pas contredire. Toi aussi, tu es dans le milieu mécanique. Exactement. J'ai mon propre garage. Enfin, j'ai récupéré le garage de papa. Exactement. Et donc, c'est beaucoup... Si ce n'est plus facile, en tout cas, on maîtrise les frais. Ah oui, nous, dans notre cas, c'est encore une catégorie en dessous de celle d'Olivier, donc forcément... Ça coûte forcément moins cher. Déjà, ça coûte moins cher. Et puis, pareil qu'Olivier, on fait la voiture de A à Z, le moteur, c'est moi qui ai monté, la boîte, enfin vraiment le châssis, tout. On peut se permettre de tout faire de fond en comble sur la voiture, sans avoir besoin d'une aide extérieure. Alors lui, il a bâti sa carrière locale, amateur, en évoluant au fur et à mesure depuis 1997. Ça fait quand même un bout, ça fait 26 ans cette affaire-là. Tout à fait, oui. Toi, tu es tout jeune. Tu as aussi un projet pas de vie, mais un projet de rallye dans les 5-10 ans à venir ou pas du tout? Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai un rêve. Pas un projet. Oui, un rêve. Il faut rêver. J'ai un rêve de rallye, forcément, comme beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Après, par contre, aujourd'hui, je ne me mets pas des objectifs forcément à atteindre. Parce que je sais qu'aujourd'hui, dans ma vie personnelle, j'ai des objectifs déjà à atteindre. Ça passe quand même dans un second plan. Et lorsque ces objectifs personnels seront atteints, je pense que là, par contre, je pourrais le mettre ça en tant que projet et puis rêve.
Mais ça prendra peut-être, c'est l'objectif personnel, entre 5 et 10 ans déjà, je pense. Ouais, il faut prioriser de toute façon. Oui, je pense que voilà. Voilà, il ne faut pas faire d'erreur. Moi, je compte rouler jusqu'à mes 60 ans. Tant qu'il y a des rallyes, je compte rouler. Donc, forcément, il faut... Moi, je ne serai peut-être plus là, mon cousin. Je crois que ça s'invite à Odea, là. Il n'y a rien pas de moule. Peut-être que moi, là, sans indiscrétion, tu as quel âge, là? 26 ans. Non, mais plus là, moi. Quand les gars se sortent, quand même, plus là, ils commencent à miller. Mais chez moi, pas par ici. C'était un milieu mécanique, pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Ça change. Ouais. Mais on arrive à trouver des moyens de faire. Alors les moyens, c'est simple, c'est de s'entourer des bonnes personnes. J'ai une équipe d'assistance exceptionnelle, des gens qui sont humainement et sur le plan technique vraiment top, qui me suivent depuis mes débuts, qui font partie de la grande famille Classic Mecha Club, donc qui est mon équipe. Ils sont sur la voiture à chaque fois qu'il le faut, à la remontée quand on la sortie de la route. On a vraiment des gens au top qui nous entourent. Et ça, c'est hyper important, avec mon père qui, bien évidemment, chapeaute un peu toute l'équipe. Et puis, il faut le dire, il faut les citer, on a des partenaires, pareil, exceptionnels. Donc, des partenaires qui me suivent depuis mes débuts, donc depuis que je roule en copilote, qui ont décidé de me suivre et pour l'achat de la 206 et pour les deux dernières saisons. Et on a eu un nouveau partenaire, donc Fiorentini, qui est sur la voiture, en gros, aux quatre coins de la voiture, qui nous a offert la voiture cette année. Donc les moyens, on les trouve. Forcément, c'est beaucoup d'investissement humain. Mais on trouve toujours des solutions pour pouvoir rouler. Moi, pour ma part, je suis étudiant alternant en commerce, donc dans une boîte qui vend des pneumatiques. Donc je suis quand même dans le milieu de l'automobile et je compte y rester, mais pas dans la mécanique. Voilà. Pneumatique, c'est une part importante du budget à ce niveau-là. Tu roules, on le rappelle, sur une Clio Rally 5. Rally 4. Rally 4, aux côtés des autres 208 Rally 4. Voilà. Budget conséquent. Bon, les deux plus gros budgets sur la saison, c'est les pneumatiques et l'essence. Je pense, comme un peu tout le monde. C'est ce qu'on consomme le plus, de toute façon. Et puis après, bon, l'entretien de la voiture en lui-même est assez maîtrisé, puisque ça reste quand même des voitures qui sont issues de la série. Beaucoup de pièces d'origine, donc on arrive à maintenir un peu de ce côté-là. Maintenant, effectivement, les pneumatiques et l'essence, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Sans vouloir brûler les étapes, ni voir beaucoup trop loin, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir bien plus loin. Mais tu as en tête quelque part, tu dis bon là je suis en rallye 4, après la rallye 4 ben, il y a la rallye 5, hein, etc. Mais on dit non, là je crois que vu ce que je sais faire, je ne vais pas aller chercher plus loin. Pas demain, hein, après-demain. Non, après-demain forcément, comme disait Hugo tout à l'heure, il y a des rêves. Moi j'ai plusieurs rêves dans le rallye. J'aimerais rouler sur la terre, donc notamment à Madagascar, puisque c'est les premiers amours, les premières découvertes. Donc j'ai pour projet de faire un rallye à Madagascar. J'aimerais bien rouler sur une 4 motrices, histoire de goûter un peu le plaisir de la glisse sur la terre. J'aimerais aussi rouler en championnat de France. Donc c'est aussi l'objectif. C'est pour ça qu'on a acheté une Clio Rally 4. C'est d'avoir une voiture qui ressemble aux voitures qu'on peut trouver là-bas. Donc déjà comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir, lorsqu'on pose ses fesses dans un baquet là-bas, déjà être un petit peu dans le coup et pas complètement largué par rapport aux gens qui roulent beaucoup plus que nous. Et puis moi j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis des années, c'est le VHC, et j'aimerais bien rouler sur une Lancia Delta, comme celle qu'a remontée... Véhicule historique, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Un jour faire un rallye style un San Remo, Monte Carlo, sur une Lancia Delta intégrale. Bon, en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite au cours de ces prochaines années, mais déjà pour le week-end prochain. Ouais, c'est un beau projet. Ah, un beau projet. Sympathique. Daniel, on parlait tout à l'heure techniquement donc de GPS. Alors, je sais, on parle de l'organisation. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vrai travail. Hein, je suis depuis plusieurs mois en avance. De réunion en réunion, de coup de fil en coup de fil, de difficultés à trouver des moyens pour donc faire face à tous les postes de dépenses, et il y en a beaucoup. Pour autant, sur le plan technique, la sécurité est une exigence aujourd'hui de plus en plus forte. Oui. Et les GPS qui vont être installés vont permettre d'apporter certaines réponses. Écoute, de toute façon, le fonctionnement du GPS, ça reste exactement le même que dispose le Lazare. Hein, oui, je veux dire, c'est GPS. C'est un GPS.
ça permet de suivre les équipages en temps réel sur l'écran à la direction de course. Là, on a voulu renouveler un petit peu l'opération qui s'est produite lors d'un régional à la Plaine des Palmistes, bien connu, qui s'est passé sous la pluie et qui nous a permis, en quelque sorte, de faire un suivi, et surtout pour les accompagnants des équipages, de faire le suivi en tant qu'accompagnant sous les stands, etc., attendre le retour. C'est-à-dire que le staff, lui, le staff, l'assistance peut très bien à tout moment savoir la voiture de son pilote se trouve à tel endroit. Son pilote ou n'importe quelle voiture du circuit, en quelque sorte. Donc, ils ont accès au logiciel. Donc, on va travailler avec GeoAssing. Il n'y a pas de secret. C'est eux qui proposent cette fonction-là. Et c'est suite à la demande de pas mal d'équipages qui disaient que ce serait bien de renouveler cette opération-là parce qu'ils avaient apprécié ce qui s'était passé à la Plaine des Palmistes. Donc là, nous, on a eu cette opportunité-là parce qu'on a été contacté par cette société justement pour remettre en place le système. Et on a eu pas mal de discussions. C'est soit continuer avec à louer le système avec Lazare et ou alors retenter là avec le système de GeoAssing. Donc ils nous ont fait une proposition qu'on a acceptée. Donc on va pouvoir parler un petit peu plus dans l'avenir parce que on ne peut pas cacher les mots, donc on est en projet d'acheter les boîtiers. Et en quelque sorte, donc là, on a fait un rapprochement entre Giro Racing et Patrick Soft pour les classements. Et ça fait partie de la dernière génération des GPS disponibles sur le marché, quoi, en quelque sorte. Et on a une précision supérieure aux autres des anciens boîtiers qu'on utilisait. Donc c'est une solution technologique, un apport technologique qu'on fait. Je ne sais pas, je peut-être m'avance pas trop en technique parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il y a eu une petite différence de langage entre les informaticiens de Patrick Soft et de GeoAssing. Donc, mais je les ai laissés, je les ai mis en contact. En quelque sorte, voilà. Et parce que c'est un langage un peu particulier, que je comprends rien dans le système. Bon, ça, c'est plus le domaine à Jean-François, parce qu'il lui s'intéresse. Il s'intéresse à ça. Donc, bon, on a des personnes qui connaissent un petit peu l'évolution technologique, etc. Donc, donc ça s'est fait comme ça. Et c'est encore une fois comme une opportunité qu'on a eue. Et puis, on a peut-être éventuellement un partenariat avec d'autres associations, pas nécessairement locales, dans le milieu de l'océan Indien, pour pouvoir faire comme le souhaitait Esteban, donc en quelque sorte sur Madagascar, entre autres, faire des rallyes sur Terre, etc., et utiliser le système GPS avec MADA. Mais c'est un avenir. On aura l'occasion d'en reparler. On va terminer dans quelques minutes sur ce plateau, mais également sur le parcours, les spéciales qu'il y a. Je vois que Stéphane Samkaufrev, donc, il sera copiloté par Maxime Joseph, je crois que c'est Léa. Léa, sa cousine, qui part faire sa formation métropole, qui explique que ce soit Maxime Joseph qui prend le relais. Oui. D'accord. Et puis on les retrouve tous, Thierry Lorland, Damien Dorseuil, Gianni Barret, Stéphane, donc Farouk Moulin. Et là, Malik Unia est de retour avec Daniel à ses côtés. Tout à fait. Il y a Jonathan Lop, évidemment, un des leaders de cette catégorie. Rally 4, qui fait la pluie et le beau temps pour l'instant dans la catégorie. Tout à fait. Vous avez un bon coup de volant. Il y a Yann Berard également qui est ici pas mal, évidemment, dans sa catégorie, même le leader. Manix est de retour. Johnny Picard, Olivier Boyer. Giovanni Payet est toujours là aussi. Bref, tous les autres sont là. On espère qu'ils vont tous s'amuser. Et puis, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a 83. Bon, en tout cas, ils sont tous bien là. Alors, ce parcours samedi, Olivier, il y a deux spéciales à parcourir en trois fois. Sainte-Marguerite, qui s'est déjà courue, me semble-t-il, les années précédentes. Il y a des radiers qu'on connaît bien, mais des radiers, c'est pas petit radier, c'est un radier qui part de la rivière de l'Est et qui redescend sur le RD 57. Ça arrive à radier photo, ça redescend à gauche. Voilà. Est-ce que ce sont déjà pour samedi des spéciales que tu connais plus ou moins, qui te conviennent? Que je connais, mais que tout le monde connaît aussi. Comme on sait, tout le monde, c'est sûr que
tous les équipages qui roulent sur les S1, ils ont un bon coup à jouer. Hein, et tout le monde va essayer d'attaquer. C'est des spéciales que j'aime bien aussi. On verra bien ce que ça va donner. Et trois passages à chaque fois, ça va laisser quelques traces. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et toi qui aimes la pluie, toi, l'Est, depuis quelques jours, Daniel, tu vas me confirmer ou pas, il pleut pas trop là, non? Ah non, il n'a pas plu, enfin, ah depuis... Bon. Il attend ce week-end. Non, c'est pas ça. Cas... c'est parce que les officiels vont se faire... Même pour moi, même pas que la pluie tombe, parce que mes appareils coûtent un petit peu l'argent quand même. Je ne dirais pas que j'aime particulièrement la pluie, mais on s'en est quand même pas mal sorti sur un rallye organisé justement par la ZASMER, que je tiens à remercier d'ailleurs pour ce rallye. Ils ont utilisé notre voiture comme photo de couverture et très grand merci à eux. Donc c'est des spéciales que nous on aime bien et on va tout faire pour essayer de faire de bons chronos. Ça c'est clair et net et on verra bien ce objectif, que ça va donner à la podium, fin. Podium, faisable. Comme j'ai dit tout à l'heure, podium minimum, évidemment. Ouais. Rien n'est impossible. Très bien, rien n'est possible. La détermination toujours là. Un compétiteur ne prend jamais un départ sans avoir un objectif. Hugo, sinon on reste chez soi. Quoi. Voilà. Dimanche, 2x3 également, Caro Ango et Vincent Don. Tu connais ces spéciales déjà, toi? Pas du tout. Tu ne les as jamais courues, en fait? Non, du tout. D'accord, et donc tu fais des recos ce week-end, alors? Ouais, j'ai pu faire les recos ce week-end. Eh bien, écoute, Caro Ango est quand même beaucoup plus rapide que Vincent Don. Oui. Bon, après c'est des spéciales qui me plaisent, surtout Caro Ango, j'aime bien quand il y a des portions rapides, surtout la toute première partie là où déjà on peut on peut creuser un petit peu l'écart sur quelques petits virages déjà. Si c'est bien négocié, il y a possibilité vraiment de gagner un peu de temps, donc je trouve ça sympa. Après la partie par contre de Vincent Do, la partie descente va être une partie vraiment où il faudra avoir une forte vigilance. Oui, mais c'est pas Damien Dorsey qui va nous dire le contraire. Effectivement, avec sa petite sortie de route. Et puis surtout s'il y a des conditions un peu précaires, parce que c'est quand même assez abrupt, hein, donc ça va descendre relativement vite. On pourra quand même prendre pas mal de vitesse, même si on est si on a des petites voitures. Mais moi, ça me plaît en fait. Enfin, tout me plaît, que ce soit du lent, du rapide, du technique, même si je préfère le rapide, tout me plaît. En main de tête, ne prends. Exactement. Je mange tout. Stéban, tu connais aussi tous les spéciales samedi et dimanche, donc Radier, Sainte-Marguerite, Caro Ango, Vincent Do, tu les as courus déjà? Oui, je les ai courus l'année dernière. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient au J'avais fait un beau résultat, j'ai malheureusement dû arrêter dans la liaison de l'arrivée. J'ai perdu une roue suite à une casse de goujon. Mais tout le rallye, c'était un magnifique rallye, très très bien organisé déjà l'année dernière. Je pense que ce sera la même chose cette année. On a pris beaucoup de plaisir, en tout cas avec mon copilote, sur ces spéciales. C'est des spéciales qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut connaître sur les tours auto, avec des revêtements plutôt alternatifs. Donc effectivement, si les conditions sont délicates, les freinages le sont aussi. J'ai une petite préférence pour Caro Ango. D'accord. J'avais fait un beau résultat l'année dernière et effectivement j'aime bien la première partie rapide qui du coup peut faire la différence par rapport aux concurrents, mais toutes les spéciales se valent, toutes les spéciales sont belles. Un peu cassante pour la mécanique sur Vincent Do, sur les freinages, sur les plaques, mais c'est des belles spéciales dans l'ensemble. Je parle du rallye 4, ils sont 2, 4, vous êtes 6, tu les connais tous, hein. Il y a Nazim Bangui, il y a Joël Boyer, Jean-Ulrich Miranville, Frédéric Chancaille, Johan Olivar et toi-même. Ce n'est pas une concurrence, il y a des Clio, il y a donc des 208. Tout à fait. Même si tu es tout début de ta présence dans cette catégorie, tu regardes un petit peu ce que font les autres ou pas? Tout à fait, bien sûr, on regarde ce que font les autres, c'est logique. On ne prend pas un départ sans regarder les autres et sans essayer de faire de son mieux, c'est sûr et certain. Maintenant, j'ai été un peu refroidi par ma sortie de route en début d'année. Donc il ne va pas falloir brûler les étapes, faut pas sortir la voiture, faut plus faire d'erreur. Donc voilà, je n'ai pas d'objectif particulier. Maintenant, si on peut essayer de se mêler à la bagarre et aller jouer avec eux, monsieur Jonathan Lop sera devant de toute façon. Maintenant, si on peut jouer avec nos compères du second plateau, c'est très bien. Très bien, mais écoutez, on va voir tout cela ce week-end, hein, samedi et dimanche, dans l'Est, du côté de Brapanon, parc fermé à Brapanon.
place des fêtes. Comment ça s'appelle ? C'est pas la place des fêtes, c'est. C'est le champ de foire. Champ de foire, voilà. Le champ de foire. Champ de foire. Ensuite, parc d'assistance de samedi, c'est du côté de Sainte-Rose. Enfin, on voulait faire tout concentré sur Bas-Prano. Après, par la suite, ça nous a posé un petit souci de découpage et de liaison. Oui, oui, parce que. Donc, c'est sûr qu'on a préféré de faire quand même un parc d'assistance sur Sainte-Rose et pour éviter un petit peu trop de liaison. Et surtout, c'est-à-dire qu'on connaît très bien la difficulté de circulation qu'il y a sur la ville de Saint-Benoît. Le petit tronçon entre le rond-point de la route des plaines, le feu rouge et la traversée de la rivière des Marsouins. On avait un gros souci, c'était l'organisation du concert du samedi soir. Qui est reporté, mais ça, vous ne saviez pas. On ne savait pas. On l'a appris en même temps que tout le monde, hein, donc par l'intermédiaire de tous les réseaux et tout. Donc ça nous a enlevé une épine du pied, je veux dire, oui. Parce que on avait eu des consignes lors de la CDSR avec le sous-préfet et un engagement de notre part, c'était de passer une note explicative à l'ensemble des équipages, de leur demander à toute l'équipe des assistances de décaler un petit peu leur retour sur Bras-Panon et que le laisser vraiment les véhicules de compétition rejoindre Bras-Panon avant que toute la caravane ne rejoigne pas non. Cette histoire, ouais. Voilà, et même à cet moment, on nous avait demandé de changer d'itinéraire. Mais par contre, ce que j'ai signalé au sous-préfet ça, à ce moment-là, j'ai dit, vous savez très bien que nous, on a déposé un dossier il y a 3 mois de cela. Changer un itinéraire à 3 semaines de l'événement, ça reste compliqué. Et si on change d'itinéraire, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous allez me faire passer. Enfin, faire passer la caravane. Il n'y a pas d'alternative, de toute façon. L'alternative, c'est rester que de passer par la RN2002, c'est-à-dire par Beaufont et ainsi de suite, si tu connais Saint-Benoît, donc passer par le bas, l'ancienne route nationale, passer par le centre-ville de Saint-Benoît. D'accord. Je dis, moi, je suis désolé, mais vous pensez que la circulation sur la route nationale va être compliquée, mais tout Saint-Benoît va être compliqué. Il suffit de pratiquer tous imaginable. Les jours. J'ai simplement remis monsieur le sous-préfet devant sa réalité, quoi, en quelque sorte, parce qu'il le sait, il habite Saint-Benoît. Donc, il ne connaît pas l'histoire, forcément, il vient d'arriver. Non, mais il connaît très bien l'histoire. Ça fait pas longtemps qu'on subit les ralentissements sur Saint-Benoît. Il suffit de faire la comparaison entre la rentrée scolaire et pas dans les vacances scolaires. Tu as l'entrée de Saint-Benoît où tous les matins c'est bloqué jusqu'à sur la deux fois de voie jusqu'à l'arrivée des Roches. Ouais. Et tous les soirs c'est la même chose. Ouais. Alors que on passe pas par le centre-ville là. On passe par l'extérieur du centre-ville. Donc le meilleur choix était d'avoir donc ce parc d'assistance à Sainte-Rose. Pour moi, le meilleur choix, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, en faisant Sainte-Marguerite avant et Radier tout de suite après, c'est-à-dire qu'en finissant CD57E, ils sont pas loin, ouais. Ils ont 800 mètres à parcourir pour rejoindre le parc d'assistance. Donc, Et c'est le champ de foire qu'on retrouve en parc d'assistance également la journée de dimanche. Le champ de foire de Bras-Panon, le dimanche. Aussi. Sur Bras-Panon. Donc là, c'est pareil, c'est pour un souci de liaison, où on fait une boucle, donc on utilise à deux fois deux voies jusqu'à Saint-Usanne. On fait la spéciale de Carango, on utilise la route des Hauts, par contre, pour rejoindre Vincent Dau. Et on termine par l'ancienne RN 2002 donc pour rejoindre Bras-Panon. On n'embête personne réellement. On embête toujours quelqu'un. Donc, ne t'inquiète pas. Mais on ne vient pas abonder la circulation qui sera déjà sûrement très, très, très chargée. Justement, donc c'est sous tout ça. Donc, c'est un petit message que je lance à l'ensemble des équipages. Hein. Nous sommes parfaitement au courant des difficultés de circulation qu'il y aura éventuellement sur tout le secteur. Vous avez un temps imparti qui a été calculé avec une moyenne de 35 km/h. Donc, je ne parle pas en spécial, hein, je parle surtout en liaison. Prenez votre temps, c'est tout ce que je veux vous dire. Pas la peine d'aller traîner non plus, hein, je veux dire, mais prenez votre temps, c'est pas la peine. Ne vous stressez pas, vous rencontrez une difficulté, il est préférable que vous venez nous prévenir, enfin tous les équipages, hein, que vous avez une difficulté quelconque de circulation. Généralement, c'est jamais une seule voiture, c'est l'ensemble de la caravane qui subit. Hein, donc si l'ensemble de la caravane subit à la direction de course, on reste des humains. Donc on va voir, on analysera et la plupart du temps on n'applique pas les pénalités. Hein. Donc je préfère moi un équipage étant mon ancienne expérience de copilote, etc.
Je disais toujours à Marjan, écoute, c'est pas la peine d'aller stresser, d'aller doubler à droite et à gauche, de risquer de causer un accident ou de se faire attraper par les forces de l'ordre. Même si pour nous, à notre association, ça nous rapporte de l'argent. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Quand ils sont verbalisés, oui, c'est la première infraction. Ah oui, c'est la première infraction, ça rapporte 160 euros à l'association. N'en faites pas pour autant. Hein. Voilà. Donc, non, mais c'est une anecdote en quelque sorte. Mais bon, c'est la réglementation qui le prévoit. Moi, je préfère qu'en quelque sorte un équipage où les équipages roulent d'une manière qu'on voit. Arrivent, qu'ils rencontrent une difficulté, qu'ils restent là où ils sont, ils continuent à rouler, et puis ils nous disent écoute, voilà, on a été ralenti, je ne sais pas, par un tracteur, ou je ne sais pas, ce qu'il y a eu comme un embouteillage, vous aurez toujours une écoute en face de vous. Il ne faut pas prendre les officiels pour des gens qui ne sont pas fréquentables. Ce sont pas des robots qui sont programmés. Voilà. Donc il faut les remonter, les informations. Nous, généralement, de toute façon, on a le suivi GPS, on va savoir si vous roulez ou si vous ne roulez pas. Et si vous êtes en excès ou pas aussi. Donc, c'est le suivi sera fait aussi bien qu'en spécial qu'en liaison. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas. Et, quand vous allez arriver. Les temps impartis sont calculés pour ça, comme je disais, avec une moyenne comme ça, à 30 ou à 35 km/h. Bon, Jean-François aurait pu répondre beaucoup plus facilement que moi, parce que c'est lui qui l'a fait. Mais c'est calculé comme ça. Là, je vous donnais un ordre d'idée, c'est-à-dire que samedi matin, quand vous allez prendre le départ sur Brapanon, vous avez 1h20 pour rejoindre Sainte-Rose. Donc, généralement, c'est largement suffisant. Oui, tout à fait. C'est largement suffisant. Tout ça en prenant compte de la difficulté de circulation qu'il y a sur Saint-Benoît le samedi matin, en quelque sorte. Alors, on va terminer là-dessus, justement, avec ces horaires. Sortie du parc fermé de Brapanon, samedi, donc, à 10h42 pour la première voiture. Donc, et là, il faut préciser que la première voiture, ce sera la VMRS. Vous avez combien de concurrents? Nous sommes à 16. 16, oui. Voilà. Ils partent toujours avant sur les spéciales. Des horaires qui sont logiquement pas tout le temps. Mais bon, on a vu ce qui s'est passé lors du tour auto à l'issue de la spéciale des trois bancs. Ouais. C'est un peu particulier, Oui, mais je préfère en quelque sorte les lâcher avant pour une raison de sécurité. Donc ils vont partir avant sur toutes les spéciales. Sur toutes les spéciales. D'accord. Donc les horaires qui sont affichés dans la programmation publique, donc, voilà, sont des horaires du départ de la VMRS. Première voiture VMRS. Voilà. Sachant que ça part toutes les minutes. Non, pour les VMRS, on va les lâcher toutes les 30 secondes. D'accord. Pour les VMRS. Oui, je vais comprendre. On reste là. Sinon, un rallye moderne, c'est donc une minute. Oui, le rallye moderne, on ne peut pas réduire. Donc 30 secondes, c'est à 16 voitures. On peut les augmenter, mais pas réduire. 25 minutes après, donc, leur partira ensuite donc, la première voiture moderne, c'est voilà, ça. Voilà. Alors, voilà. Écoutez, donc, c'est ce qui explique, en quelque sorte, les 5 voitures ouvreuses qu'on aura sur l'ensemble du rallye. On aura 3 triple 0, enfin, la triple 0, double 0, 0 régularité, et on aura une double 0, une 0 moderne. Didier Auriol, lui, sera volant de la 0, qui va ouvrir la moderne. D'accord. Voilà. Donc, c'est la dernière voiture ouvreuse qui va passer avant le rallye moderne. Didier Auriol, que vous pourrez, vous, si vous en êtes un des admirateurs ou admiratrices, le retrouver sur le parc fermé de Brapanon, notamment au départ, voilà, à l'arrivée. Et c'est un gentil monsieur qui va sûrement ne pas hésiter à vous faire une photo, un selfie, si vous le souhaitez, ou une petite dédicace. Oui, c'est pas ça. De souci. Voilà. Je pense qu'il est demandeur. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Bon merci rallye à vous tous, que ce soit organisation ou rallye. Nous, juste après, donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc, le rallye 2013, le rallye de l'Est de 2013 en intégralité. Merci à Laila Ina et merci à François, notre petite équipe technique. Rendez-vous samedi du côté de Brapanon ou sur les spéciales, vous les connaissez, ceux qui sont habitués avec le sac, le... Comment on appelle les affaires là? Ils mettent d'affaires, boisson de... Glacière. Je n'inspecte pas trop lourd parce que je suis Vincent Dour et tout. Ouais, il faut marcher un peu. Et puis nous, on se retrouve avec beaucoup de plaisir, évidemment, mercredi prochain à 20h30 pour vous parler de ce qui se sera passé ce week-end. Allez, pendant peut-être presque une heure, on devrait passer en revue les bonnes choses, on espère le maximum de bonnes choses de ce rallye Ronde de l'Est organisé par l'Alsace-Mer. Rendez-vous samedi et dimanche. Nous, on se revoit mercredi prochain. Salut. Et la rétro, c'est tout de suite. Messieurs, merci. À bientôt. À très bientôt. Merci. Regardez la Ronde de l'Est 2023 avec RS Sport.
une épreuve organisée par l'Azasmer. Vivez des aventures toujours plus fortes en regardant votre programme avec fortstore.re.